Salut, j'espère pour vous que la journée n'a pas trop mal commencé. Et si c'est le cas, dites-vous que c'est pas grave. Si, si, vraiment, si vous avez la poisse aujourd'hui. Rassurez-vous, tout va bien. Ça s'appelle la loi de Murphy et ça s'explique. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'enchaîner les galères. Plus de dentifrice, on utilise les ciseaux, la poubelle qui fait des surprises. Et vous appelez ça la journée de merde. En fait, c'est ce qu'on a appelé la loi de Murphy, qui porte le nom de son inventeur, Edward Murphy. Un ingénieur aéronautique américain qui aurait dit, après l'une de ses expériences qui aurait été faussée, un truc du genre « Tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner ». Le mec est optimiste, rassurant. Non, c'est pessimiste à souhait, mais c'est plutôt perspicace. Il observe, prend en compte tous les paramètres, tous les facteurs, et en tire une conclusion préventive. La loi de Murphy. Allez, vas-y, à toi de jouer! Je suis comme un écureuil qui attend sa noisette! Dans ce cas de figure, par exemple, ça revient à dire: préparez-vous les gars, Bernard tu te mets derrière le cul, Janine toi tu te mets derrière les oreilles et les narines, parce que si le gosse voit aussi bien que ses géniteurs, il peut sortir de n'importe quel trou. Et une variante plus détaillée de la loi par contre qui dit: s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie. Ça pourrait aussi être la définition du con. Je te dis que le mieux c'est de mettre le fuel dans le poêle à mazout et ensuite de l'allumer. Faut allumer le fuel directement comme ça, à même le bidon, tu vois, et après tu verses tout dans le poêle. Eh ouais. D'accord. Ouais. Il va passer une bonne journée. En gros, c'est comme lorsque vous évitez le caca du chien dans la rue. Et qu'en revenant le lendemain, il y est toujours, mais qu'il en manque un peu. Bah, c'est la loi de Murphy. Ah si si si, ça sent la merde! Parce que t'auras toujours quelqu'un pour marcher dedans. Elle est trop bien placée. Il est trop fort le géniteur de ce caca. C'est un super chien. Nous, on est distrait par le téléphone, on est pressé. Fatalement, on marche dedans. Et on en ramène un peu à la maison. Et du coup, ça nous ouvre deux perspectives. La première, le fameux, c'est la vie. Le pessimisme. Qui permet de relativiser, tenter d'en rire, faisant de cette loi un principe. La vie, c'est de la merde. C'est comme ça. Oh, mais si c'est pas toi qu'on fait, t'auras toujours un truc ou un con pour te faire chier. Toi, c'est cadeau. Ou alors l'autre vision qui consiste à l'accepter aussi, mais en luttant contre la prévention. Du coup, on fait de cette loi une règle de conception. C'est chiant. Je vous explique. C'est comme si on concevait notre vie en faisant comme si la loi de Murphy était vraie et inéluctable. Donc s'il y a des merdes de chiens dans ta rue, tu t'adaptes. Soit tu sors en botte, soit tu les ramasses pour éviter les mauvaises surprises. D'ailleurs, ça justifie toutes les conceptions sécuritaires, toutes les normes de sécurité qu'on a mises en place tous les jours dans notre vie en fait. Les feux rouges, les passages piétons, les parapluies, les parachutes, les ouvertures faciles. On préconise, on planifie pour éviter les accidents improbables, les mauvaises utilisations et les manœuvres stupides de la part des utilisateurs. Non, tu vois, ils le disent, le chat il va pas au micro-ondes. Mais la loi de Murphy n'est pas une vérité absolue. Quoi de neuf, mon gars? Par contre, elle possède 4 aspects qui nous permettent, nous, dans notre vie de tous les jours, en fait, de relativiser avec les deux visions qu'on a vues précédemment. Décrochez pas maintenant parce que ce que je vais vous donner là, ça permet de passer des journées plus sympas. Le premier aspect, c'est le canular. Pour le coup, le canular, c'est pas dans le sens où on l'entend, la blague, non. Là, c'est le canular qui arrive quand c'est une fatalité. C'est quelque chose d'inévitable pour des raisons imprévisibles. C'est comme ça. Loi de Murphy, pas de la malchance. On meurt tous, c'est comme ça. Vision pessimiste. Ou alors, comme je vous disais, on en fait une règle de conception. Faut surtout pas passer ce genre de truc, hein, pour éviter tout problème. Il y a l'aspect statistique. C'est pas que t'as la poisse, mais si tu passes tes journées à mettre ta tête dans la gueule d'un crocodile... Bah, il y a des chances qu'un jour... Elle craque, hein. Bah oui, loi de Murphy. Le troisième aspect est psychologique et vous allez voir, il va vous parler tout de suite. C'est un problème de corrélation illusoire. Je savais que ça vous parlerait. Je vous explique, vous ferez le constat, dans la vie, on est souvent plus marqué par un événement négatif qu'un événement positif. Par exemple, si un événement échoue, on évoquera la loi de Murphy. S'il te plaît, t'as failli me tuer là, putain! Mais si elle réussit, personne ne pensera spontanément à cette loi de Murphy qui ne s'est pas appliquée justement. Quand ça se passe mal, on y pense, on le note, ça rassure. C'est la vision pessimiste qui prend le dessus, c'est comme ça. On a l'impression que le sort il est contre nous, il y a la faute aussi concédée sur Nabil. Bon après j'espère que sa blessure elle est pas trop grave, puis qu'il va revenir vite quoi, parce que c'est vrai que c'est un élément indispensable de l'affectif. Donc on n'a pas de chance, mais voilà c'est tout, faut faire avec, c'est le sport et c'est comme ça, c'est la loi de Memphis. De Murphy. Et pour finir, le dernier aspect qui est l'aspect humain, qui peut être le stress, la précipitation ou autre et qui amène fréquemment d'autres erreurs et la situation va de mal en pire. Vous êtes pressé, vous renversez un truc, vous glissez, vous vous cognez. Vous êtes à 20 mètres de la ligne d'arrivée, vous vous sentez pousser des ailes. Et bim, c'est génial! Bien voilà, maintenant, grâce à l'explication de cette loi, j'espère que vous prendrez un petit peu plus de recul sur les petits malheurs de la vie et que vous anticiperez au mieux les dérapages. Sachez qu'il existe aussi le degré du dessus, la loi de l'EM, qui signifie la loi de l'emmerdement maximal. Véridique, elle me fait marrer parce que c'est une loi qui définit que si quelque chose tourne mal, ne t'inquiète pas,
quelque chose de pire va arriver. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous raconterai des anecdotes de ma vie sur les enchaînements catastrophiques bien sympas. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo, de la partager un max sur tous les réseaux sociaux que vous trouverez, et de vous abonner à mes vidéos en cliquant là. Et n'oubliez pas de relativiser. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Ben, ferme ta gueule alors.